Salut, alors je suis très enthousiaste de vous partager ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que pour moi ça a vraiment un potentiel de changement important. La première chose, le premier concept que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est le fait que il y a une différence très importante. Je pense qu'on veut changer sa vie, quand on veut améliorer sa vie, quand on veut se sentir mieux dans son quotidien, c'est la différence entre les gens qui pensent qu'il faut aller chercher des éléments à l'extérieur et les gens qui pensent qu'il faut aller justement travailler sur l'intérieur, sur ce qui existe déjà dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, se disent « Ok, il y a mon job qui me convient pas, il y a ma relation de couple qui me convient pas, ou je suis célibataire, ou je gagne pas suffisamment d'argent, tout ce genre de choses. » Et finalement, ok, ça leur convient pas, ils actent que ça leur convient pas, ils vont chercher des éléments extérieurs. Ils vont se dire, ok, comment je pourrais faire une nouvelle activité qui permettrait de me sentir mieux. Je sais pas moi, comment je pourrais faire un stage de yoga par exemple, un stage de yoga pendant un mois, ou alors faire une retraite pendant l'été pendant un mois où je parle pas, où je fais le silence complet, ou ce genre de choses, ou peu importe en fait. Ou comment je pourrais, je sais pas moi, apprendre, développer la compétence de faire de la planche à voile et me trouver une nouvelle passion et ça me permettrait de me sentir un petit peu mieux dans mon quotidien. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas la bonne approche parce que peut-être que, effectivement, après le stage de un mois, après la planche à voile ou ce genre de choses, vous allez vous sentir mieux sur le coup. Mais au final, c'est comme un pansement. C'est-à-dire que faire ça, ajouter des éléments extérieurs ne changeront pas les autres éléments. C'est-à-dire que vous devrez quand même toujours continuer à travailler, vous devrez quand même continuer à vous lever le matin et vivre votre journée, vous devrez quand même être célibataire si vous êtes toujours célibataire. Donc moi, mon approche, en fait, elle est différente. Mon approche, c'est de se dire, ok, si aujourd'hui ma vie ne convient pas, j'ai pas besoin d'aller chercher des éléments à l'extérieur. Il faut que je travaille sur les domaines principaux de ma vie, c'est-à-dire sur mon accomplissement personnel, mes projets personnels, sur ma relation de couple, sur mon cercle social, sur ma carrière, sur mes finances. C'est là, en fait, c'est la transformation de ces domaines de vie qui va réellement changer ma vie. C'est pas d'aller chercher d'autres éléments à l'extérieur qui vont peut-être m'apporter quelque chose sur le coup, mais qui ne régleront pas le problème. Donc, mon idée à moi, ma vision de la transformation de sa vie, c'est d'avoir des nouveaux résultats dans les domaines de sa vie. Et je vous garantis que quand vous allez avoir une relation de couple qui vous convient, quand vous allez avoir un travail qui vous convient, quand vous allez avoir des finances qui vous conviennent, quand vous allez vraiment, par rapport à vous, par rapport à vos projets, par rapport à votre corps, par rapport à votre physique, voilà, que vous allez vraiment vous sentir bien, enfin que vous allez atteindre les résultats que vous voulez, je vous garantis que votre vie sera plus la même, bien meilleure que si vous faites des stages de yoga, de planche à voile ou de pétanque ou je ne sais quoi. C'est la transformation des domaines de votre vie qui va faire que vous allez vous sentir fier de vous, qui va faire que vous allez vous sentir bien dans votre vie. Alors une fois qu'on a compris ça, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent régulièrement qui sont en accord avec ça et qui ont déjà compris ça, mais je voulais quand même le rappeler pour pouvoir continuer à dérouler mon raisonnement. Une fois qu'on a compris ça, après, qu'est-ce qu'on fait en général? Ben, on fait quelque chose qui est assez logique, c'est qu'on se dit « Ok, qu'est-ce que je voudrais dans ces domaines de vie ?» Et on se fixe un cap, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif par rapport à ça. Donc en clair, on se fixe une vision, on a cette vision, et ensuite on se fixe un cap, un premier objectif par rapport à cette vision. Donc par exemple, on se dit « Ok, je voudrais plaire plus ». Ben, tout simplement, je voudrais être plus attirant ou plus attirante, ben, je vais faire du sport, je vais faire de la musculation, je vais travailler mon physique. On se dit, ok, je voudrais gagner 5000 euros par mois, soit je voudrais générer un revenu complémentaire, ou alors soit je voudrais, par exemple, avoir l'indépendance géographique. Ok, je vais devenir créateur de contenu. On se dit, ok, je voudrais avoir une promotion dans son job. Peut-être qu'une promotion dans mon job, pour moi, ça va signifier avoir cette vision d'avoir une promotion. Peut-être que pour moi, ça va signifier le fait d'apprendre l'anglais. Donc, en fait, c'est toujours pareil. On a une vision et on se fixe un cap, donc un objectif, un premier objectif par rapport à cette vision. Mais très souvent, ce qui va se passer, quand on rentre dans ce schéma-là, et moi c'est quelque chose dans lequel j'ai été pendant des années, vraiment pendant littéralement des années, c'est qu'on est pris dans une sorte de spirale où on se fixe un objectif, qu'on n'arrive pas vraiment à l'atteindre, qu'on n'a pas vraiment les résultats qu'on veut, et alors on se fixe un autre objectif et on n'a pas vraiment les résultats qu'on veut, etc. Et on continue en fait dans cette sorte de boucle où on n'arrive jamais à vraiment avoir ce qu'on veut, ou de la façon dont on veut, ou à la rapidité dans laquelle on veut, on n'arrive pas à se dire ok, je veux ça, j'ai ça, tout simplement. Et des fois c'est très simple, c'est-à-dire ok, je voudrais ressembler à ce physique, bah, j'ai ce physique, je voudrais gagner tant par mois, bah, je gagne tant par mois, je voudrais être capable d'avoir des conversations en anglais, je suis capable d'avoir des conversations en anglais. Donc vraiment, des fois, on n'y arrive pas, tout simplement, on n'y arrive pas. Et on est bloqué en fait dans cette idée entre d'un côté la vision, d'un côté l'objectif, et on a du mal à sortir de ça. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation, peut-être que vous êtes vraiment dans ce moment où voilà, vous avez des visions, vous fixez des objectifs, mais c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Soit c'est pas du tout ça, soit c'est pas vraiment ça, c'est plutôt moyen. Et moi, quelque chose qui a vraiment changé
concrètement les choses pour moi, c'est de comprendre qu'entre la vision et le résultat, donc la vision, l'objectif et le résultat, il y a un chaînon manquant en fait. Il y a quelque chose de manquant que beaucoup de gens en fait ne vont pas prendre en considération. Imaginez quelqu'un qui se dit « Ok, un joueur de tennis, quelqu'un qui veut commencer à jouer au tennis ou quelqu'un qui a déjà commencé à jouer au tennis. » Imaginons que ce soit un homme et qu'il dise « Ok, moi ce que je voudrais, c'est devenir un joueur classé à l'ATP. » Donc l'ATP, c'est le circuit le plus prestigieux en tennis. « Ok, moi je voudrais être classé à l'ATP, donc ne serait-ce que rentrer dans le classement ATP. » Alors je sais pas combien il y a de joueurs dans l'ATP, 200 peut-être, quelque chose comme ça. « Ok, je voudrais faire ça. » Donc ce mec-là, il se dit « Ok, pour faire ça, je dois par exemple remporter tel tournoi. » Et il dit « Ok, il s'inscrit au tournoi. » Et puis au tournoi, il se fait éclater. Et donc du coup, il se dit mince, ok, bah j'y arrive pas. Puis il se réinscrit à d'autres tournois. Et aux autres tournois, il perd encore. Puis à d'autres tournois, il perd encore. À un moment donné, il se dit ok, je suis pas capable d'y arriver et j'arrête. Et en fait, vous vous rendez bien compte que ici, il y a un élément manquant. Et que cet élément manquant, c'est le fait que entre le fait de décider d'être classé à l'ATP, d'avoir l'objectif de gagner les tournois et de le faire, l'élément manquant, c'est tout simplement de s'entraîner. C'est-à-dire que si ce tennisman, il s'entraîne pas pour devenir meilleur, pour augmenter sa capacité en tennis, sa capacité à gagner des tournois, c'est évident qu'il ne va jamais gagner de tournois, qu'il ne va jamais gagner de tournois plus importants et que donc il ne sera jamais classé à l'ATP. Je veux dire, ça semble évident. Mais pourquoi quelque chose qui semble tellement évident pour le tennis ou pour n'importe quoi d'autre nous semble pas évident pour le fait de créer du succès dans sa vie? Pourquoi ça semble évident pour personne que si je veux créer du succès dans ma vie, c'est-à-dire si je veux avoir des nouveaux résultats dans ma vie, si je veux définir une vision, un objectif et l'atteindre, c'est-à-dire qu'entre l'objectif et le résultat, pourquoi ça semble évident pour personne que ce qui va faire la différence, c'est d'augmenter ma capacité à atteindre mes objectifs? Pourquoi pour des compétences particulières, ça semble logique? Pourquoi pour les objectifs, pourquoi pour le succès, ça ne semble pas logique? Et le chaînon manquant, c'est ça. Comment je peux augmenter ma capacité à avoir des nouveaux résultats dans ma vie, ma capacité à atteindre mes objectifs? Comment je peux faire ça? Et moi, c'est ce que j'appelle le domaine de croissance personnelle. C'est tout simplement le fait d'augmenter ma capacité à avoir du succès dans ma vie. Si vous prenez une personne qui décide d'objectifs et qui les atteint et une personne qui décide d'objectifs et qui ne les atteint pas et que vous en prenez par exemple 10 et que vous analysez les choses, vous allez vous rendre compte que au-delà de l'objectif en particulier, au-delà de l'objectif de la méthode qu'il va utiliser pour atteindre cet objectif en particulier, c'est-à-dire de regarder vraiment dans le petit trou de la serrure, si on dézoome, on va se rendre compte que ces gens-là font des choses que les autres ne font pas, tout simplement. Ils font des choses que les autres ne font pas. Et c'est ça le chaînon manquant. C'est-à-dire, comment je développe ma capacité à avoir du succès, tout simplement. Comment je développe cette capacité. Et je vous garantis que tous les gens qui ont du succès savent très très bien qu'ils ont une manière d'agir, qu'ils ont une manière d'envisager la réussite, qu'ils ont une manière de penser qui n'est pas du tout la même que ceux qui ne réussissent pas. Ils le savent bien, on le sait bien, tout le monde le sait bien. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai du succès dans ma vie, je sais bien que je ne suis pas du tout la même personne, que j'ai largement augmenté mes capacités à avoir du succès et je ne vais pas du tout envisager l'atteinte d'objectifs comme je l'envisageais il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans en arrière quand je n'avais pas du tout de succès dans ma vie. Alors, je sais que ce n'est pas le truc qui fait le plus rêver de la planète, je sais. Je sais qu'on aimerait bien se dire « Ok, je veux avoir plus d'argent, ok, je veux la méthode maintenant tout de suite pour avoir plus d'argent qui va me permettre, voilà, la méthode à suivre étape par étape qui va me permettre d'avoir plus d'argent. Je voudrais développer une compétence comme l'anglais, bah je veux avoir la méthode qui va me permettre tout de suite maintenant de développer ma compétence de l'anglais étape par étape. » Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte que ben justement, ce qu'il faut faire et ce qui va vraiment nous faire gagner du temps sur le moyen terme, c'est de commencer à se dire « Ok, au lieu juste de me concentrer sur le petit trou de la serrure, si je dézoomais, je me concentrais sur justement mon niveau de croissance personnelle, c'est-à-dire ma capacité à avoir du succès dans ma vie. » Je vous laisse réfléchir à ça. Dans cette croissance personnelle, il y a tout simplement un domaine qui s'appelle la capacité à agir, ma capacité à prendre des actions et à continuer mes actions sur la durée. C'est la base de la base du succès selon moi. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez, si vous enlevez tous les éléments qui font le succès, vous faites tout sauter. Ce qui restera en priorité, la première chose qui restera, c'est ma capacité à agir sur la durée. Si vous enlevez ça, voilà, il se passe rien, il se passe absolument rien, même si vous avez tout le reste, c'est la base de la base. J'ai sorti une formation hier qui s'appelle « Trouver la force en soi d'agir ». Donc l'idée de cette formation, c'est de développer votre potentiel d'action, c'est-à-dire votre capacité à agir sur la durée, à maintenir cette courbe de l'action et à limiter les trous dans l'action. On va travailler sur vraiment votre force d'agir, sur la gestion du bruit ambiant, sur vos schémas mentaux, sur la simplification de votre vie et sur votre confiance en vos capacités. C'est une formation super
hyper orienté sur l'action. Il y a 24 techniques, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 24 techniques à appliquer dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre la formation et commencer à appliquer les techniques dans votre vie et qui vont vous donner dans les prochains jours, dans le prochain mois, des résultats. Et si vous appliquez les techniques, vous verrez d'ici 90 jours, d'ici 180 jours, d'ici 270 jours, vous commencerez à augmenter considérablement votre potentiel d'action. Voilà, il y a le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué pour la formation. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.